Salut à tous, c'est Thomas Santatassi. J'espère que vous allez bien, chers amis. Aujourd'hui, on se retrouve en compagnie toujours de Cyril. Comment ça va ? Ça va. Aujourd'hui, donc, nouvelle semaine, donc nouvel épisode de la Thomas Adventure, toujours en compagnie de Cyril, comme le dernier épisode. Le dernier épisode, nous l'avions stuffé pour les prochains combats à venir. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un combat. Merci, déploie tes ailes s'il te plaît. Les prochains combats qui arriveront peut-être avec d'autres invités, etc. On verra comment ça se déroulera. Pour cet épisode, ce qui est prévu, c'est de récupérer des animaux et les faire se reproduire et créer en fait une ferme automatique à bouffe. Mais putain, mais déploie tes ailes toi là-bas. Ou pose-toi, je sais pas, fais quelque chose. Okay. Oui, je suis en double F5, c'est pour ça. Je sais, mais y'a rien quoi. Putain, vas-y, saoule. Et d'ailleurs, si on trouve des poulets, ça m'arrangerait, parce qu'il y a aussi un petit bâton que j'aimerais faire. En tout cas, on a déjà récupéré nos Lucky Blocks avec les deux petits distributeurs qui sont juste derrière moi là-bas. On a donc 6 likes sur le dernier épisode. Je sais pas ce qui s'est passé. Dites-moi en commentaire si jamais peut-être que l'épisode vous a moins plu, peut-être que vous êtes pas tombé sur cet épisode, malheureusement. Je ne sais pas. N'hésitez pas à dire en commentaire ce qui allait pas avec cet épisode. En tout cas, je pense que vous avez remarqué que je suis en train de retravailler les miniatures un petit peu au fur et à mesure des miniatures. J'essaye d'améliorer un petit peu tout ça, histoire que ce soit un petit peu plus attrayant quand vous tombez dessus. J'espère que cet épisode vous plaira, on essayera de monter un peu la chose, on essayera un petit peu de faire que ce soit un peu intéressant. Donc aujourd'hui, on commence par 3 Lucky Blocks tout à fait classiques. Ensuite, en fin d'épisode, on ouvre 3 Lucky Blocks classiques et un super Lucky Block. Intro terminée, beaucoup trop longue, comme chaque début de Thomas Adventure. C'est parti, tu détiens 3 Lucky Blocks. Je détiens 3 Lucky Blocks en effet. Détiens 3 Lucky Blocks, alors maintenant, let's go. Tu sais ce qui est pratique ? C'est que la dernière fois, je suis mort au niveau de là où on fait les Lucky Blocks. Du coup... Super. J'y suis déjà. Je vais faire un waypoint là, parce que c'est bon, j'ouvre. Oui, vas-y, ouvre. Open the Lucky. Ah. Heureusement qu'on est en 1.19. Hein. Oui. Ah non, mais va falloir qu'on mine tout ça là après. Vas-y, ça saoule. Ouvre le deuxième. Ah, il faut throw a coin. J'espère que t'as de l'or sur toi. Regarde. Hein, oui, oui, oui. C'est juste une plaque de pression. Ah oui, les poulets qu'on avait mis là, j'avais complètement oublié. Ah putain, mais oui, on avait déjà tout préparé en plus. Bah voilà, on a plus qu'à récupérer les poulets. Attends, mais ils ont pris plein d'eux. Mais par contre, au secours, à chaque fois qu'on commence une vidéo, il fait nuit. Peu importe la série, c'est terrible quand même. Même l'autre série, l'autre fois... Attends, je vais juste faire passer la nuit, je vais me TP à la base et... Je vais passer la nuit parce que j'ai pas envie. Dans le doute... Un lapin. Ah, ah, c'est le killer bunny. Ah mais il est mort. Ah ouais, je l'ai one shot. J'ai un rabbit foot. La moitié de ma vie en un coup là, il m'aurait tout shot. Mais mec, c'est quoi ton armure? Parce que t'es conscient que ce qui est prévu... C'est que ce stuff là actuellement, alors à part l'épée, parce que l'épée il faudra qu'on trouve aussi une épée un peu modée, ouais. Bien que celle-là elle soit quand même sympa, mais j'aimerais bien que tous les invités aient un stuff modé et unique à eux-mêmes, donc t'es au courant que ce stuff là c'est probablement celui que tu auras quand tu seras invité à taper des boss. Non, genre le dragon, vrai. Le wither, il y aura aussi les boss, le Lich King par exemple... La main dans le nether, tout ça, il y a des petites choses hein, qu'il faudra taper, ouais, cher Cyril. D'ailleurs, faudrait peut-être que je parte en exploration un jour pour les trouver, ce sera déjà pas mal. Oh, c'est vrai que j'ai plein d'œufs pour faire le zoo aussi, c'est vrai qu'il y a ça à faire aussi. Plein d'œufs. Non, mais je sais pas, ça me fait rire, ok. J'avais compris que ça te faisait rire. mais du coup, je trouve pas de quartz. Ouais, moi non plus, je les ai peut-être tout virés en fait, donc faut peut-être... Oh non, mais faut retourner dans le nether là. Oh non, le nether. J'ai pas un briquet. Putain, j'ai dû mettre le briquet quelque part et du coup je le vois plus. Secours les copes. Un jour ils seront rangés. Bah tu sais quoi, Akarui elle m'a dit il faudrait que tu ranges tes coffres. Bah tu sais quoi, je vais l'inviter et puis on va ranger les coffres. Ce sera ça l'épisode. Alors j'ai des cloches, super, sympa, mais c'est pas ça que ça m'intéresse. D'ailleurs il me faut des flèches, c'est vrai. Mais du coup, il y a du quartz dans ces biomes là. Ah bah c'est ouais, bon, ouais, c'est regarde là-bas. Il y a un biome normal quartz, là. Non. T'as du fortune ou pas? C'est du gold bizarre. Bonne question. Non, j'ai pas de fortune, j'ai du efficiency 2 malheureusement. Bon. Ah oui, enfin malheureusement, c'est quand même bien, oui.
Eh bah rentrons et fermons ce portail parce que bordel de merde ça lag. Je suis passé à 20 FPS. 18. Ah. Quoi? Bah oui mais Cyril on n'est pas du bon côté. si peut-être une façade où on voit les poulets quand même. Alors il y a du sable hein, à récupérer. Non mais je vois pas. Oui non mais pas forcément dans les coffres mais en tout cas on est dans un endroit où on devrait pouvoir trouver du sable. En tout cas, là, bon. Ouais, là, y a pas de. Y a beaucoup de trucs. Beaucoup de trucs, mais y a pas de sable. Ah. Voilà, il est quelque part là-dessous. Salut. Voilà, là, y en a du sable, par exemple. D'accord. Eh bien, je vais récolter ce sable. Du coup, je te laisse récupérer le sable. Moi, je vais ranger mon griffon parce qu'il fait n'importe quoi, il se balade, il vit sa vie. Ah, du sable, ça, c'est de la clé, super. Et pourquoi tu récupères la clé? J'ai cru que c'était du sable. Bah, super. Du poulet. Est-ce qu'il y a du poulet dans les ramen? Je suis pas sûr. Hein. J'en ai aucune idée. Me dis pas, j'ai jamais mangé de ramen. Bah, d'accord. D'accord, te le dis pas, super. Ah non, mais toi, un jour, on va faire un vlog go manger des ramen. Juste ça. Ouais. T'as ah, alors, attends, faut un tapis aussi. On a de la laine. Probable. J'en ai vu tout à l'heure, hein, donc. Oui, bah, y en a quelque part, alors. Je crois que c'est... Voilà, c'est là. Est-ce que c'est deux laines? Oui, parfait. Nickel. Mais c'est fou parce que je suis jamais allé miner du diamant. Et je suis ouais, tellement riche. Et on en a des milliards. Et tout ça parce que... Les gens mettent des likes. Oui. Donc mettez des likes, bordel de merde. C'est grâce à vous, ça. Oui, c'est grâce à vous. C'est grâce à vous qu'on est riche et que vous tapez pas des épisodes de minage. Bon, je vais essayer de ramener les poulets. Par contre, comment je fais? Faut des laisses. Mais ça va, on a plein de... Ah mais c'est bon, j'ai des graines. Faut des slime balls. Bah ça, y en a des milliards. Tu fais avec des graines, ça va être long. Ouais, mais avec les laisses, ça va être long aussi parce qu'il y en a des milliards des poulets. Ah, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais on n'a pas beaucoup de fil en fait. Quoi le fil? C'est toi le directeur. Hein? Le fil directeur. Ah là là, la blague de scénariste! T'en as de la lame? Je sais pas. J'ai des seaux, ça c'est sûr. Comme des seaux de la. Ouais, c'est bon, j'ai un lava bucket. Ok. Bah, give. Allez, les poulets, on suit. Ça va être un long voyage. Alors en gros, là ce que j'ai fait, j'en ai sécurisé 4 avec des fils. Mais en fait, tout le groupe me suit parce que j'ai une graine dans la deuxième main. Ok. Peut-être, je ne sais pas. Ah non, comment ça Laissez-moi tranquille, je ramène mes poulets. Mais arrêtez, mais restez là-dedans là, bordel de merde. Bordel de poulet. Pour faire un coffre, pour faire un coffre en diamant, faut de l'or. C'est pas logique tout ça. Oui, c'est vrai. Tu veux y non, faire... mais faut... non, mais ça, c'est la réserve à poulet en attendant. Ah, ok. Comment je fais pour me débarrasser des ficelles? Parce que sinon, je vais me taper les poulets là. Faut que tu en fasses quelque chose dessus. Ou alors que tu ailles loin, ouais. Ouais, je suis allé loin. Mais non, mais du coup, je suis rentré dans le truc. Hop là. Mais non, c'est pas ça. Là-dedans. Où tu vas? Ah, il est petit. Parce qu'il y avait des œufs et j'ai lancé les œufs. Ah. Vas-y, faut les pousser. Vas-y, je les pousse. Attends, parce que du coup, ils veulent me suivre parce que j'ai des graines, mais. Vas-y, il reste plus que le dernier. Les deux petits, c'est pas grave s'ils sont pas dedans. Mais lui, je peux pas le pousser parce qu'il est dans le coin. Dans le coin, on peut pas les pousser. Non! Non! Bon, il est plus dans le coin au moins. Vas-y, oui. Non. Ah, il a pas voulu sauter lui. Bah saute toi. Alors attention, faut pas le pousser dans le coin. Ah mais il est allé trop loin. Au secours. La galère au poulet. Voilà, pousse. Toi.
Vas-y Cyril, tu peux le faire. Je peux pas poser, ils sont trop. Ah, ils sont trop. Voilà. Voilà, c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Bah éloigne-toi, je vais récupérer les laisses. Et là, regarde. Il y a les bébés poulets. Hop, ils brûlent. Et hop. Les bébés poulets? Non, mais quand ils grandiront, quoi. Ah. Bah du coup, faut laisser tourner... Faudrait limite avoir un deuxième compte qui peut rester ici, qu'on appelle, genre un compte qu'on appelle Chunk Loader. Ou alors installer un mod qui fait ça. Ouais, c'est vrai que ce serait plus pratique en fait. Ça coûte moins cher que de racheter le jeu. Mais y a pas moyen de... Bah est-ce que... Attends, F3 plus B. Faut les nourrir en fait. Un poulet ça fait plus de la moitié d'un bloc. Donc si on met une slab ici... on pourra les nourrir à travers. Let's go. Alors attends, parce que du coup, attends, je vais les attirer de l'autre côté. Regardez, 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 j'ai des graines. Là, 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 là. Il y en a un qui est sorti. Oh non. Oh non, c'est un vrai poulet en plus. Bon, c'est pas grave. Bon bah, je leur ai donné des graines. Je les fais se reproduire. Ça donne des choses. Normalement, il y a un petit poulet dedans. Ouais, c'est bon. Ok, bon bah, il faudra que je vienne ici pour les nourrir de temps en temps et ça fera. Des trucs sympas. Je vais aller nuit. Je vais faire passer la nuit parce qu'il y a des fantômes. Oui, il y a des fantômes. Attends, mais en fait, ça fait le mode qui fait. Qui fait, je sais pas quoi là, qui fait les attaques spéciales. Ça fait une hitbox quand tu tiens une épée. Du coup, j'ai F3B d'activer. Ah oui, bah oui, parce que ça. Oui, ça change les hitbox, ouais. Faut qu'on. Bah attends, j'ai pile poil. Oh non. Mais qu'est-ce que... Il a tout cassé lui, et regardez-le. Ouais. T'es sûr qu'il est mis correctement? Ouais, ouais. Ah oui, c'est bon. Non mais j'ai cru qu'il visait le bloc de bois là. J'ai appuyé sur 3 sur mon clavier parce que j'ai l'habitude d'avoir la hache en 3. Sauf que j'ai un arc et du coup ça marche pas de couper du bois avec un arc. Ah oui, ça c'est sûr, ça marche moins bien. Il faudrait qu'on réussisse à faire... Bah tiens, attends, je vais juste te donner... Tech, tech. Oh non. Oups. T'inquiète pas, t'inquiète. Je sais pas faire. Non mais t'inquiète pas. J'ai des plans. C'est pas vrai. Dans le doute, on brûle tout. Ouais, il est malade lui. Je pose du bois en plus. Alors, d'à peu près la taille de la de ça, faut qu'on essaye de cacher ça en fait. On essaye de cacher ça et faire genre que c'est joli. Par contre, faut que ça soit centré. Hein. Bah, vérifie les centrages. C'est pas du tout centré. Bah vérifie le centrage, fais un effort. Ah oui, mais le coffre en fait il arrive là. Faudrait qu'on déplace le coffre pour qu'il arrive ici en fait, le coffre. Ok. Parce que du coup en fait, si tu veux, la vision que j'ai c'est genre, tu rentres par ici et ensuite tu peux te servir dans le coffre justement. Ah, ah moi et je alors, pensais rentrer par là donc... Voilà, okay. Oui. Là, du coup, t'aurais l'entrée vraiment du bâtiment du restaurant. Alors, tu vois, là, c'est comptoir extérieur et tout, avec petit toit qui ferait ça. Ah ouais, ok. Voilà. Tu vois ce que qu'est-ce que j'essaye de faire? Le comptoir, comment tu comptes le faire? Je sais pas. Ok. Je sais pas, on va tester des choses. Ah, ça y est. Regarde, il y a un poulet qui a spawn, là. Mais non! Incroyable! D'ailleurs, en fait, je pense à un truc là. Ouais. La lave, les petits, ça les tue pas. Bah oui, c'est pratique. Donc en fait, on au moins ils peuvent grandir. Non, faut le décaler de 1 au moins. Ici, du coup, 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc voilà, en gros, le bâtiment ressemblerait à peu près à ça. Voilà. Ah ouais! Tac, tac, tac. Voilà, avec pourquoi pas des vitres par ici. Ça me paraît super long par contre ce côté. Il faudrait genre... Ah ouais, j'ai une idée. Tu vois le bouton là? Ce serait le petit ping. Genre tu le mets ici. Ouais. Alors c'est très rouge pour l'instant, mais vous inquiétez pas chers amis. Tout va bien se passer. Tout est prévu dans ma tête. C'est terriblement ouais, c'est...
Oui, absolument. Je sais parfaitement ce que je fais. Ah, mais non, ça peut pas marcher. Oui. Si tu mets une trappe d'or là, alors viens voir. Je sais pas, c'est toi qui fais des trucs là. Oui. Tu mets une trappe d'or là, elle va être activée à chaque fois qu'il y a un œuf qui va passer parce qu'il y a un comparateur. C'est pas grave. On fait. Voilà. Ici. <Ouais. rire> Voilà, en étant un peu ici, et tant pis, ici il y aura rien du tout, il y aura juste de la déco extérieure. Là pareil, on remplit. Oups. Je sais pas faire, ça se voit. Bon, t'inquiète, ça fait le taf. Regarde. Viens voir. Oui. Bien. Là, je suis de l'autre côté de la porte. Oui. Attends. Mince, attends. Attends. Au secours. Oh non, mais ça marche plus. Ah, voilà. Aha. Maintenant, faut qu'on ramène un village. Non, je déconne, on va pas faire ça aujourd'hui. Bon, ça m'a saoulé. Oh bah, des bibliothèques. C'est bien ça pour les enchantes. Deuxième. Ah. Un bloc de diamant. C'est toujours ça le prix. Oh. Oh bah, un villageois. On se retrouve dans la mâche. Ah ah, il m'a brûlé. C'est pas les bords. Ça, ça a fait. Mais. J'ai eu une Soul Star. Tu vas voir. Where does it lead? Je fais clic droit ou pas? Vas-y, essaye. Ça va là-bas. Prochain épisode, on la suit.
Mais c'est obligatoire, prochain épisode, on la suit, mec. Mais prochain épisode, c'est ça, hein, 100%. Mais mec, si ça se trouve, ça va nous mener à un boss. Et du coup, il va falloir faire 14 épisodes avec plein d'invités pour que je les prépare. Oh, vas-y, active le levier. Faut fuir maintenant ou pas? Ouais. Oh putain, oui. Voilà. Ah ouais, un jour faudra peut-être que je répare tout ça. C'est la fin de cette vidéo, merci à tous de l'avoir regardé jusqu'au bout. C'était Thomas Santetassi et Armex pour la Tomadventure, pour cet épisode un peu spécial, toujours puisqu'on est toujours en compagnie de Armex. Prochain épisode, donc vous l'avez peut-être vu, on a découvert une Soul Star, et vu que je l'ai découvert avec Cyril, je suis plutôt chaud pour le faire avec Cyril aussi, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Du coup, on ira découvrir ce que c'est que cette foutue Soul Star, parce qu'on sait pas du tout ce que c'est, ça nous est popé comme ça au pif. On se dit à la prochaine, n'oubliez pas de bombarder les likes évidemment pour avoir un maximum de Lucky Block à ouvrir dans le prochain épisode. On se dit à la prochaine, n'oubliez pas le Discord. C'était Thomas Santatessi Armex. A plus tout le monde. Salut. Ah oui, dites ce que vous avez pensé du bâtiment aussi, du stock à ramen aussi, dans les commentaires. Important. Oui. A plus. T'as pas de... Oui, j'ai pas de... Ouais, j'ai pas de semelle. Allez-y. Don't wanna sleep in, 'cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. Ha! Have no regrets, yeah.